du Stabat Mater. Debout, la mère douloureuse, près de la croix, était en larmes devant son fils suspendu. Dans son âme, qui gémissait toute brisée, endolorie, le glaive était enfoncé. Qu'elle était triste et affligée, la mère entre toutes bénie, la mère du Fils unique. Qu'elle avait mal, qu'elle souffrait, la tendre mère, en contemplant son Fils divin tourmenté. Quel est celui qui, sans pleurer, pourrait voir la mère du Christ dans un supplice pareil, qui pourrait sans souffrir comme elle contempler la mère du Christ douloureuse avec son Fils. Pour les péchés de tout son peuple, elle le vit dans ses tourments, subissant les coups de fouet. Daigne, ô mère, source d'amour, me faire éprouver tes souffrances pour que je pleure avec toi. Vierge bénie entre les vierges, pour moi, ne sois pas trop sévère et fais que je souffre avec toi. Christ, quand je partirai d'ici, fais que j'obtienne par ta mère la palme de la victoire. Au moment où mon corps mourra, fais qu'à mon âme soit donnée la gloire du paradis. Amen. Rappelons-nous ces paroles que nous donne l'Église. Nous sommes d'un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Que ce soit les prêtres ministériels, ce qu'on appelle prêtres dans nos paroisses, ou encore les laïcs, tous, notre sacerdoce est ordonné à l'unique sacerdoce du Christ qui, de toute façon et de manière objective, est efficace et porte du fruit. Ne laissons plus jamais aucune souffrance gaspiller. Buvons la coupe d'amour jusqu'à la lie. Et la souffrance produira en nous la joie. Oui, ça paraît peut-être utopique, et je ne veux pas minimiser les souffrances quelconques que vous pouvez vivre en ce moment. Je ne veux pas faire celui qui est décollé de la réalité. Certains peuvent dire, oui, vas-y, cause toujours, tu ne sais pas ce que je souffre. Paul est clair dans ses propos, dans sa lettre aux Corinthiens. Il dit, Dieu ne permettra jamais que vous soyez éprouvés au-delà de vos capacités de résistance. Ne viens pas me dire que ta souffrance, non, pour moi, c'est pas comme les autres. Moi, je souffre trop. Dieu ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos capacités de résistance. Ce que Dieu permet que tu vives est à la mesure de la force qu'il met en toi. La souffrance de Marthe Robin ne sera pas la tienne. Les souffrances du Padre Pio ne seront pas celles de Marthe Robin. Mes souffrances ne seront pas les tiennes et les tiennes ne seront pas les miennes. C'est clair. Mais refusons de croire que nous souffrons plus que les autres et que notre cas est désespéré et que par conséquent, on ne peut pas basculer dans l'amour. Si certains aiment l'état de souffrance, pas la souffrance en tant que mal en soi, l'état de souffrance, c'est parce que la souffrance produit la béatitude. On va faire une petite analyse. Est-ce que nous sommes d'accord
que le renoncement, l'acte de renoncement, est douloureux. Ou pas du tout. Le renoncement est douloureux. Ok. Est-ce que nous sommes d'accord quand on dit que s'oublier soi-même pour les autres, ça ne fait pas toujours plaisir, ça peut être douloureux, ou même c'est douloureux. Parce que c'est rare de dire « je m'oublie » et puis... Et même, faire le choix d'épouser la volonté de Dieu, c'est douloureux. Pourtant, ce qui est réel, c'est que le renoncement produit le bonheur. Attention, le renoncement ne produit que le bonheur. Sans toutefois annuler notre première affirmation. Dans son essence, le renoncement est un bonheur. Dans son essence et son origine, l'oubli de soi pour l'autre est un bonheur. Épouser la volonté de Dieu est un bonheur. Et que ça ! Ok. Nous allons comprendre pourquoi. Autre question. Pensons-nous qu'au paradis, il y ait la douleur ? Oui, non ? Non. Ok. Pensons-nous qu'au paradis, il y ait la souffrance ? Non. Il n'y aura plus aucune souffrance, plus aucune douleur. Si nous sommes d'accord avec ça, nous comprendrons ce que je viens de dire, à savoir, le renoncement n'est qu'un bonheur. L'oubli de soi n'est que bonheur. Épouser la volonté de Dieu n'est que bonheur. On peut l'affirmer pourquoi ? C'est que c'est le propre du Verbe éternel. La deuxième personne de la Trinité, Jésus, Fils de Dieu, le Verbe éternel, est dans un renoncement continuel. Il est dans un oubli continuel de lui-même. Il est dans une communion sans faille à la volonté de son Père. Pourtant, nous sommes d'accord qu'au ciel, il n'y a pas de douleur ni de souffrance. Comment pouvons-nous comprendre que le Verbe soit éternellement dans un renoncement, dans un oubli de soi, sans douleur, sans souffrance, mais que bien au contraire, cette attitude en lui est ce qui fait sa béatitude? Je dis ça d'une autre manière. Si nous ne le savions pas, le Verbe éternel, pauvreté éternelle, est renoncement total, radical et éternel. Voici l'essence même du Verbe. Ce que Paul nous dit, et que nous avons cité tout à l'heure, le fait qu'il n'ait pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, le fait de son incarnation où il prend chair de Marie, le fait de son obéissance, mais jusqu'à la mort, n'est pas une nouveauté en Dieu. Ce matin, nous en parlions. Dieu ne change pas. Si le Verbe éternel, le Christ, a pu prendre chair de Marie, et que
Pour nous, ça a été héroïque qu'ils nous obéissent, nous, jusqu'à la mort la plus humiliante. Pour lui, ce n'était pas une nouveauté. Le Christ n'était pas dans un renoncement douloureux. Il était dans l'amour. L'expression d'amour chez le Christ, c'est ce renoncement. Il était dans son élément. Et nous, à cause de la tâche du péché originel, ça nous paraît tellement difficile de nous oublier qu'en le regardant, on trouve ça super extra. Et lui, il a juste envie de nous dire, mais c'est moi ça. Je suis de toute éternité ainsi. Je suis de toute éternité à renoncer à ce que je suis pour la joie de mon Père. Au cœur de la Trinité, dans le paradis, c'est cela. Et au ciel, il n'y aura que ça. Il n'y a pas de douleur au paradis. Il n'y a pas de souffrance. Et pourtant, il existe là un renoncement continuel, sans douleur et sans souffrance, mais qui est, au contraire, une béatitude explosive. Voici à quoi est ordonnée une joie que peut vivre une Thérèse de Lisieux. Une Thérèse d'Avila, un saint Paul. On se dit, attends, est-ce qu'ils fabulent, ils veulent juste nous faire croire qu'ils sont particuliers? Non. C'est que le Christ tête alimente le corps entier. C'est pourquoi toute souffrance vécue dans l'amour, dans le nom du Christ, au-delà de la douleur physique ou même psychologique que l'on peut vivre sur cette terre, bénéficie d'un tremplin. Il y a une transcendance, un bonheur qui vient d'en haut, un bonheur qui vient de la tête, qui est le Christ, qui découle dans les membres du corps, au point que certains de ces membres qui ont fait le choix de vivre la souffrance par amour, y goûtent un grand bonheur. Et nous autres, on dit, ce n'est pas possible, ils fabulent. Non, ils ne fabulent pas. C'est que celui pour qui nous souffrons est dans un renoncement de béatitude. Et c'est pour lui et en lui, en tant que membre de son corps, que nous offrons nos souffrances. La douleur, oui, tant que nous sommes dans notre chair mortelle sur cette terre, nous sentirons la souffrance, mais elle n'est pas assez forte pour écraser le bonheur que cela produit. Plus tu auras mal, plus tu comprendras que tu es encore loin de l'intimité à Dieu. Plus tu te rapprocheras de l'intimité à Dieu, moins tu sentiras le côté écrasant que peut produire une souffrance. Quand tu te rapproches du Christ, ça devient de plus en plus béatitude. Alors on entend dire, je veux souffrir sans le dire, pour que Jésus soit consolé. Oh Jésus, ma joie c'est de t'aimer, ma joie c'est de souffrir. Et nous autres là, les presque païens, on dit non, mais attends, c'est quoi ce discours? On entend, ah non, moi je n'ai pas souffrir, le mystère de la croix c'est pas pour moi. On ne te demande pas d'en faire un doctorat, ok? Tu dis juste, aime. Et cette béatitude découle. J'aime bien souvent raconter les anecdotes des martyrs. Quand quelqu'un va être martyr, si toutefois il est arrêté et qu'il ne doit pas mourir, il restera dans son état normal, peut-être il va avoir la trouille. Mais quand Dieu sait que celui-là va effectivement mourir de martyr, il est déjà dans le ciel. C'est là où l'on perçoit de manière plus forte et plus accrue le bonheur qui écrase la souffrance éventuelle. Les martyrs, avant leur mort, sont dans un état incompréhensible. On a l'impression que la douleur n'existe plus. Parce qu'ils basculent déjà dans la béatitude du Christ tête, qui lui est renoncement éternel et continuel, désappropriation continuelle de lui-même pour la gloire du Père, et c'est cela sa béatitude,
Et quand le martyr, au nom de Jésus, doit perdre sa vie, il bénéficie déjà de cette béatitude céleste, au point que, respirant encore sur cette terre, il est comme sans douleur, alors que ce qui se passe logiquement est très douloureux. J'ai souvent cité Saint Laurent. C'est ce qu'il y a de plus fou. Saint Laurent est mort martyr. Tu vois, quand tu fais un barbecue, tu poses la viande derrière le feu. C'est comme ça qu'il est mort. Ils l'ont posé sur le feu. Moi, tu me poses sur le feu. Je crois que toute l'île de France va entendre ma voix. Laurent dit à son bourreau, comme il était moine dans son monastère, il était cuisinier. Donc il sait cuire la viande, le gars. Il dit à son bourreau, bon, après, je vais faire le scénario, d'accord? Eh oh, pardon, excuse-moi, mon gars. Je pense que ce côté est assez cuit, tu peux me retourner. Oui, histoire vraie. Tu as envie de dire, mais attends, il est en train de mourir ou pas? Le bonheur, la souffrance en soi, on y revient, est un mal en soi, mais le bonheur que peut produire cette souffrance, par la puissance de Dieu bien sûr, ce bonheur qui est ordonné à la joie de se donner, est celle qui vient du Christ. Donc ce n'est pas des gens qui veulent faire leur kéké en faisant croire que quand eux ils souffrent, ils sont contents. Non, ils bénéficient vraiment de la béatitude du Christ, qui est renoncement pour son Père. C'est pourquoi, en tant que baptisés, frères et sœurs, ne laissons plus aucune souffrance gaspillée. Vivons-les dans l'amour pour le Christ et nous verrons comment ça va changer la donne. Mais ça va tout changer. Un Maximilien Marie Kolb. Non, mais ce mec, je le kiffe. Dans les camps de concentration, dans la chambre à gaz, il ne meurt pas. Tu as quoi? Tous les autres prisonniers sont morts, asphyxiés. On ne les nourrissait pas. Il était squelettique. Il était crade, mais à cause de la condition. Tous les autres sont morts. Mais avant qu'il meure, ça c'est du ministère. Maximilien Kolb, prêtre de Jésus-Christ, il a prêché l'évangile à ceux qui vont bientôt mourir. Il a baptisé, il leur a donné Dieu. Ils sont tous morts, il était encore vivant. Les soldats viennent regarder si tout le monde est mort pour eux. Il y en a un qui est debout, on va attendre, on n'en a plus pour longtemps. Ils vont, ils font les kékés, ils reviennent quelques jours après. Maximilien Kolb est debout. Le gaz ne rentre pas dans tes poumons ou... Il ne voulait pas mourir. Enfin, il ne voulait pas. Il ne mourait pas. La vie est plus forte que la mort. Ce n'est pas seulement pour le Christ. Nous sommes membres de son corps. Il alimente les membres de son corps. Pourvu que nous soyons intimes à lui et que nous visions les choses pour lui et en lui. Mais il fallait que les soldats passent à autre chose. Ils n'ont pas que ça à faire. Si tu ne veux pas mourir, on va t'aider un peu. D'accord? Donc, il est mort par injection létale. Le soldat est rentré. Maximilien était là. Fils de Marie. Qu'on reconnaît au sourire. Parce qu'on sait après. Je dis, soldat. Allemand. Avec ici. Il vient pour l'injecter et puis il prend le bras de Maximilien et Maximilien le fixe dans les yeux. On prend son bras et il donne son bras. Comme son Seigneur, ma vie, nul ne la prend. C'est moi qui la donne.
Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. On prend son bras, il laisse son bras. Pendant qu'il est en train d'être injecté, il fixe le soldat. De toi à moi, c'est moi qui suis en train de mourir. Là, c'est moi qui suis dans la situation dramatique. Tu es en train de me tuer, mais pourquoi c'est toi qui es mal à l'aise, mon gars? Le soldat lui dit, arrête de me regarder. Maximilien le regarde. Le soldat est troublé. Il lui dit, je te dis, arrête de me regarder. Maximilien le regarde. Bon, en gros, si, sinon quoi? Tu vas me tuer? Tu es déjà en train de me tuer, donc je vois pas... Ton autorité, ça va jusqu'où, là, du coup? Et puis, ils l'ont injecté, c'est comme ça que son corps est tombé. C'est... comme les céphalophores. C'est des martyrs qu'on décapitait. Quand leur tête tombait, leur corps prenait la tête. Et puis ils marchaient avec. Comme des zombies. C'est pas des zombies. Ils ont une plénitude de vie qui éclate là. Ils sont déjà dans le royaume. Est-ce qu'on fait attention à la vie de mon saint patron? Non, mais là, je fais mon kéké. C'est mon saint patron. Saint-Étienne. Est-ce qu'on fait attention au récit de son martyr? Non, mais on lit, mais bon, on lit comme ça vite fait, on ne fait pas gaffe. Le gars, on est en train de lapider. Normalement, logiquement, quand tu lapides, tu cries « Aïe !»« Arrêtez, j'ai mal !» Luc dit dans les Actes des Apôtres, que pendant qu'on le lapide, Étienne dit, je vois les cieux ouverts. Mon gars, il y a des pierres là qui te tombent dessus. Mais lui, il voit les cieux ouverts et le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Et ses bourreaux sont encore plus enragés. Mais il est déjà dans le ciel. Hors de martyrs, il n'y a pas que les martyrs de sang, il y a les martyrs d'amour. Comme Thérèse de Lisieux, qui est considérée par l'Église comme martyr, mais martyr d'amour. Le martyr d'amour, c'est celui qui, chaque jour, sait vivre dans la patience, dans l'amour, dans l'offrande, tous ces petits bobos. Et ça, c'est ce qui nous concerne, vous et moi. Or, si dans le martyr de sang, la grâce de Dieu découle pour un bonheur, ça se passe pareil pour le martyr d'amour. Tu en feras l'expérience. Si un jour, une situation qui te pourrit la vie, qui te met dans tous tes états, est gérée autrement, que tu acceptes de te taire et de donner pour la joie de Jésus, tu m'en donneras des nouvelles. Ça change la donne. Le bonheur est tel que finalement tu veux revivre la même chose. Quand on dit souffrance, on a peur. Savoir souffrir, allez, c'est quoi ce thème? On va encore nous demander la croix, la croix, la croix, mais en fait, plus tu es loin de Dieu, plus tu en es effrayé. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie. L'amour est un bonheur en soi. Autrement dit, il n'y a pas de bonheur plus grand que de donner sa vie. Ok, je termine sur ceci. Petite disposition pratique. Il y a une résolution à prendre. De vivre ce que nous pouvons vivre de contrariant ou de difficile pour la joie de Jésus et la conversion des pécheurs. Il est clair que si nous ne sommes pas dans cette dynamique, tout ce que nous avons entendu ne sera que pesant. Premier point, prendre cette résolution. En tant que faisant partie
d'un sacerdoce royal, d'un peuple saint, d'une nation sainte. Et en tant que chrétien, je nous dis par ma petite voix, ne nous laissons pas le choix. Sinon, notre vie chrétienne ne sera pas féconde. Une fois qu'on prend cette résolution, donnons à nos souffrances de l'ampleur, de la consistance. Rendons nos souffrances puissantes comme des bombes pour porter du fruit, briser l'ennemi et chasser les forces du mal. Aimons notre souffrance, frères et sœurs, faisons le choix de choyer l'état de souffrance. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de ressenti, si, sinon ce ne serait plus une souffrance, c'est clair. Mais au-delà de la douleur, c'est au niveau de la résolution, au niveau du choix que l'on fait, qu'il nous faut savourer, goûter, exploiter chaque seconde, chaque soupir en nous pour ne rien gaspiller. Limite, demandons pardon à Jésus pour les minutes où on a un peu râlé. Et puis revenons dans l'amour, dans un silence. Il fut un moment, je ne sais pas par quel mystère, mais il y a des choses comme ça qui arrivent. Lorsque, c'est pas une cachotterie, c'est la réalité humaine, c'est tout. Lorsque j'étais à la communauté des béatitudes, il y a un de mes responsables, j'en sais rien, j'ai jamais su pourquoi. Comme si, après souvent, il y a le chic des responsables qui se disent, allez, je vais casser tel frère pour voir jusqu'où il va dans sa consistance, enfin bref. Un de mes responsables qui avait décidé, comme ça, du jour au lendemain, mais je me faisais engueuler en public, il m'humiliait, il me traitait de tous les noms. C'était très humiliant. Et je ne voulais pas gaspiller l'effet que ça produisait en moi. C'était tellement humiliant, douloureux. Et je disais, j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de pleurer, la souffrance n'en sera pas gaspillée. Si j'ai mal, du moment que j'offre dans l'amour. Mais je disais, Jésus, moi je veux te faire un bonus. Je ne veux même pas pleurer. Et puis Jésus, tu sais quoi? Je n'en parlerai pas. Non, c'est pas tout. Je ne t'en parlerai même pas. Je ne dirai même pas, Jésus, j'ai mal. À toi-même, je ne dirai rien. Même pas à moi-même. Je constatais juste la douleur. Je disais, Jésus, j'offre pour ce que tu veux et je me taisais. Même pas dans mes prières ni dans mes pensées. À aucun moment, je ne voulais dire, Jésus, console-moi, aide-moi, même pas à lui. Je dis, Jésus, si je t'en parle, ça va désamorcer la force de cette douleur. Et je me couchais le soir, le cœur meurtri, au point que je me demandais si j'allais gagner le sommeil. Et au petit matin, mais qu'est-ce que j'étais comblé de joie d'avoir pu tenir, sans en parler, sans me plaindre, en gardant le sourire. Et ça a duré un bon moment. Mais je ne savais pas ce qui se passait dans l'invisible. Ce qui se faisait, comment Jésus s'en servait. J'avais juste la joie de savoir que je pensais à lui et que je lui donnais. J'étais tout fier de moi, de faire plaisir à Jésus. Comme c'est Yacinta, si je ne me trompe pas, ouais, des enfants de Fatima. Oui, c'est elle, hein. J'espère que c'est Francisco Yacinta, qui a été isolé pour mourir, elle était malade. Yacinta. En fait, petite qu'elle est, elle n'a pas cogité comme ceux qui ont étudié. Elle sait juste que Marie lui a dit, offre-moi ta souffrance pour sauver les âmes. Et Marie lui a dit que tu seras isolé, à souffrir, tout ça. Et c'est arrivé vraiment, dans la solitude de sa chambre d'hôpital avec toutes les douleurs. C'est trop mignon.
quand elle gémissait de douleur, de quoi faisait « Ah, pardon, pardon mère, pardon d'avoir gémi, je te donne, je te donne. » Comme cette petite enfant qui voulait tellement faire plaisir à sa mère et respecter ce qu'il lui a demandé, qu'elle ne se permettait même pas de gémir. Mais tu peux gémir, quoi, c'est bon. Quand tu as mal, tu as mal. Et tout de suite, elle se rétractait, elle disait, Marie, pardon, prends, allez, je me remets dans ta présence, avec ma souffrance. Et à un moment, elle a dit à Marie, oh là là, il doit y avoir beaucoup d'âmes qui sont sauvées, hein, parce que j'ai souffert. Hein. Non, mais c'est trop beau, cette joie. Vous comprenez quand je dis, il y a la douleur, la souffrance, et puis il y a l'au-delà de ça, le choix qu'on fait de la rendre féconde, cette souffrance, et c'est ce choix-là qui est notre joie. C'est pas qu'on sent pas la douleur, c'est pas ça. C'est ce choix-là. On peut prendre cette résolution pour un enjeu. L'enjeu qui est de taille. L'extension du règne du Christ dans les cœurs. La conversion de nos proches, de nos parents. Notre propre conversion. Pour les âmes du purgatoire, pour les besoins les plus urgents dans le monde, pour notre propre purgatoire qu'on peut éviter aussi. Il y a toutes ces raisons-là qui constituent un enjeu et la victoire du cœur immaculé de Marie. Comme dit Saint-Louis Marie Grignon de Montfort, devenir esclave d'amour. Il est très fort dans ces termes, et je peux le citer parce qu'il est docteur de l'Église. Saint-Louis Marie Guignon de Montfort parle de l'esclavage d'amour, devenir esclave entre les mains de l'Immaculé pour le triomphe de son cœur immaculé qui n'est rien d'autre que la victoire du Christ dans le monde. Il dit, pour cet esclavage, il faut prendre la résolution de ne plus se plaindre et de tout accepter par amour pour l'Immaculée et tout faire en elle, tout faire avec elle, tout faire par elle et tout faire pour elle. Je cite un docteur de l'Église, hein, n'allez pas dire que c'est exagéré, il est docteur de l'Église. Parce que, comme il dit, elle est celle, ça c'est Maximilien Kolb qui dit par contre, elle est celle à qui Dieu a remis tout l'ordre de la miséricorde. Et lui, Marie Guignon de Montfort, dira que dans ces temps qui sont les derniers, elle a reçu une mission de Dieu pour préparer ses fils à accueillir la venue en gloire du Fils de Dieu. Devenir des flèches entre les mains de l'Immaculé, à offrir des sacrifices chaque jour. Je dis souvent, mes frères et sœurs, arrêtez de vous abîmer la santé, à jeûner à sec et tout le temps. C'est tellement horrible de voir quelqu'un qui jeûne. Et puis, elle en fait tellement que finalement, elle est de mauvaise humeur. Et quand elle rentre à la maison, elle devient kadachi. Ça sert à quoi? Vas-y, mange ton poulet. Sois agréable, ça fait plaisir à Jésus. Mais vous savez quoi? On peut jeûner, c'est pas le problème. Mais parfois, notre quotidien est truffé de tellement de contradictions que si nous les acceptons par amour, je veux dire, on en offre tellement au Seigneur qu'un jeune qui peut être mal placé. Ahmed Jigourier, le fondateur des Béatitudes, a demandé, parce que Ahmed Jigourier, il y a une maison de la communauté des Béatitudes, et le fondateur était de passage.
Il a demandé à la voyante, quand Marie va apparaître, demande-lui quel jeûne elle aimerait que la communauté des béatitudes adopte, qui lui ferait plaisir. Parce qu'à Medjugorje, Marie demande de jeûner au pain et à l'eau. Dans lui, il s'est dit, allez, je profite, si Marie peut donner un tuyau pour la communauté, un genre de jeûne qui lui ferait plaisir, on va faire. La voyante a demandé à Marie, la communauté des béatitudes te demande quel jeûne elle peut adopter qui te ferait plaisir pour les triomphes de ton cœur immaculé. Marie a répondu, leur vie est déjà un jeûne. Après, je dis avant d'en faire plus que la moyenne, avant de faire des jeûnes héroïques, pourquoi pas? Je veux dire, je ne vais pas l'interdire, puis je n'ai pas de mandat pour l'interdire. Je sais juste que les deux jours obligatoires dans l'Église, c'est mercredi, décembre, vendredi saint. Après, le reste... Avant d'en rajouter, je t'en supplie, aujourd'hui, fais juste le choix d'être bien lucide sur tes moments de douleur, de souffrance intérieure, de souffrance physique, d'incompréhension, de sentiments de solitude, de difficultés relationnelles, de patience avec tes frères, de silence, de l'effort dans le travail, un travail bien fait, un dépassement de soi, débarrasser l'assiette de ton époux, de ton épouse, de ton petit frère, à qui tu as vu 15 000 fois et qui ne t'écoute jamais, tu es tellement remonté. Vas-y, débarrasse, fais la vaisselle, pose. Toutes ces petites choses-là, quand on parle de souffrance, ne rêvons pas à un état comateux, machin. Ça peut arriver aussi. Mais peu importe, tout ce qui te contrarie, tout ce qui est l'effort supplémentaire sur toi-même, qui te coûte, qui te met dans tous tes états, avant de chercher à faire des choses hors du commun, fais de sorte que ton entourage constate un changement dans ta patience, dans ta délicatesse, dans ta douceur, dans le pardon. Ça s'appelle l'héroïcité des vertus. C'est tellement de choses à offrir que finalement toute ta vie deviendra une offrande d'amour. Un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Que tu aies la jambe cassée, que tu aies, la jambe décapitée, que on t'ait détecté le Covid, que tu sois porteur, que tu aies peur de la mort, enfin, quel que soit, je ne veux exclure aucune contrariété ni souffrance, quel que soit ce que c'est, je nous en supplie, ne décevons pas l'attente du Seigneur. Par amour pour lui, nous sommes baptisés pour ça. Il nous y attend. Il est presque l'heure, mais c'est pas fini. Pardon. On va faire, même si c'est vitesse rapide, c'est bien qu'on connaît ça. Face à une douleur intérieure ou physique, que faire? Disposition pratique. J'imagine que ça vous est déjà arrivé, où tu te lèves au petit matin et tu as le cœur meurtri. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, hier soir, j'ai reçu une baffe en pleine rue. J'ai été très humilié. Tu te réveilles le cœur meurtri, ou encore tu as eu une douleur, une tristesse, quelque chose qui te brise. Ou simplement, ton chéri vient de rompre votre relation. Ce genre de douleur. Comment faire face à ça? Premier point.
surtout, d'abord et avant tout, restez calme. Si tu en as besoin, respire un bon coup. N'agis pas. Tu restes calme. Mets-toi dans un endroit tranquille si tu veux. Assieds-toi, respire. Ok. Une fois que tu es resté calme, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe au fait? Pourquoi je suis dans cet état? Ah tiens, je viens de rompre ma relation. C'est très douloureux. Donc, après s'être posé, prendre, c'est très important ce que je dis là, prendre objectivement ce qui se passe. Je dis objectivement et vous allez voir pourquoi je dis ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je viens de rompre dans la relation que j'avais. Ok. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant quoi? Le fait de prendre objectivement, ça suppose quoi? Vous savez ce qui nous pourrit la vie? Parce que c'est vrai qu'on a dit tout cela, mais souvent on mène de faux combats et des souffrances qui n'ont pas lieu d'être. Il va falloir éliminer tout ce qui nous pourrit la vie pour rien. Ça s'appelle les déductions. J'ai rompu ma relation. Objectivement, tu as rompu une relation. Ça fait mal, oui. Évite de dire « Ouais, je suis qu'il avait une maîtresse. » Et puis ça, de toute façon, il va se trouver une nouvelle chérie et ils vont venir ensemble en couple dans la même paroisse que moi. Je ne peux pas accepter ça, mais qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Non, mais voilà. En fait, il y a une douleur objective et à tout le monde qu'on va se construire autour dans notre tête, ça nous rend parano. Et souvent, les larmes nous montent davantage sur la base de déduction. Tu vas avoir des migraines. Si on regarde bien, franchement, la rupture fait mal. Bon, après, je ne vais pas trop vite m'engager. Chacun sait comment il gère ses ruptures. Là, je prends l'exemple de la rupture. Hein. Il y aura plein d'autres choses. Mais on est humilié. Pourquoi ça t'humilie? Que tu sois en manque de ton chéri, c'est une chose. Mais pourquoi tu es humilié? Le quand dira-t-on? Ouais, parce que quand on était ensemble, j'ai été voir telle personne qui ne m'aime pas beaucoup. Et je lui ai présenté mon chéri, j'étais fier. Et maintenant, je vais devoir lui dire qu'on n'est plus ensemble. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Et on s'embarque là-dedans. N'allez pas dire qu'à l'école de prière, on dit qu'il faut souffrir. On n'a pas dit ça ici. Ne vous embarquez pas dans des choses qui ne sont pas fondées, nécessaires ni essentielles. D'accord? Donc, on se pose. On prend objectivement ce qui se passe. Donc, on fait un travail en nous-mêmes pour déblayer le qu'en dira-t-on, les déductions. Est-ce qu'il a fait ça parce que si, parce que ça? Je suis sûr qu'il est comme ça. Et quand tu vas lui dire, qu'est-ce que tu en sais? Tu es sûr? Oh, je te dis, arrête, je le connais. Ok. Je le connais. Donc, finalement, ce que tu déduis, tu en fais une vérité absolue. Et tu souffres sur ta déduction. Tu as décidé que c'est une vérité. Et tu ne veux même pas le contraire. Ok. Comme il est l'heure, je vais vite. On prend et faisons cet exercice, frères et sœurs. Quand il y a quelque chose qui nous contrarie, prenons objectivement ce qui se passe et ce qui s'est passé. Quand c'est fait, quand on a tout déblayé, on se rend compte qu'il s'agit d'une rupture isolée. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une rupture? La vie continue. Bon.
on respire, on reste calme, on isole l'événement. Ça, c'est la partie la plus importante. On isole l'événement. Après l'avoir isolé, troisième étape, on y consent. On a entendu Marie, hein? Pourquoi ça m'arrive à moi? Comme dit Joe Croissant, quand cette phrase vous monte, dites, mais pourquoi pas à moi? Tu te prends pour qui? Pour pas que ça t'arrive à toi. Là aussi, c'est un combat contre l'orgueil. Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Si ça arrive, il y a des ruptures qui arrivent depuis la nuit des temps. Pourquoi est-ce que je suis mieux que les autres? Donc, ok. J'isole, donc je prends objectivement, ensuite j'y consens. Le consentement, c'est ça. J'accepte que ça m'arrive à moi. Quand on y a consenti, quatrième étape, on donne à Jésus. Et c'est là où on peut y mettre tous les enjeux qu'on veut. Seigneur, cette situation douloureuse, je te la donne. Aussi désagréable soit-elle, tu peux t'en servir pour ma propre conversion, pour ma sanctification, pour la conversion de mes proches, pour les âmes du purgatoire, pour la victoire du cœur immaculé, pour l'extension de ton règne. Vous y mettez tout ce que vous voulez. Pour cette personne qui m'a demandé de la porter en prière, vous y mettez tout ce que vous voulez en offrant dans l'amour cette situation. Cinquième étape, c'est la cinquième maintenant, non? Maintenant, je fais la cinquième. Cinquième étape, rendre grâce. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que ça représente comme événement dans ma vie, pour ma vie, à cette étape de ma vie. Merci. Marie l'a dit. Dites merci pour le cadeau que tu me fais. Quand on dit action de grâce, tout est dans l'expression. Action de grâce, ça met la grâce en action. On offre, on reste calme. On prend objectivement, on isole, on y consent, on offre à Jésus et on rend grâce. Vous allez voir au début, ça va être cloisonné. À force de le faire, ça va se faire systématiquement. Tout va se faire rapidement dans la tête. Et il y a des personnes qui, tu leur fais un truc et puis c'est juste, tu les vois faire. Ok. Tout se fait en même temps. Ok, c'est pas grave, j'y consens, je donne à Jésus, je rends grâce. D'accord. Et les gens disent, mais comment il fait pour rester calme dans les telles situations, lui? C'est un habitus à prendre. Et c'est vrai que je ne peux pas ne pas vous dire ça. On vivra plus facilement ces différentes étapes-là si on a des temps d'adoration ou d'oraison ou de cœur à cœur. Ça aide énormément. Si on n'a pas de vie de prière, le moindre rien nous enflamme et nous paraît insupportable. Je le redis, plus on grandira en Dieu, moins l'effet de la souffrance aura d'impact sur nous. Ou la douleur de la souffrance nous écrasera moins quand on priera. Je finis sur ceci. Vous savez quoi? À l'exemple de Marthe Robin, ne calculons plus s'il s'agit de la méchanceté du démon, s'il s'agit de ce que Dieu permet, s'il ne permet pas, est-ce que c'est ma faute, est-ce que c'est parce que j'ai péché, est-ce que c'est parce que j'ai manqué de charité que telle chose m'arrive. Eh, frères et sœurs, peu importe. Dans quel état tu es? Tu es contrarié? C'est suffisant pour porter du fruit. Alors, si c'est le démon qui veut nous contrarier, si c'est lui qui nous met le bâton dans les roues, il va vite faire d'arrêter si on sait offrir.
S'il sait que ça nous pourrit la vie et qu'on rentre dans les déprimes, nous sommes à sa merci. Finalement, quand on comprend ça, on se rend compte que la défaite du démon est dans ses propres actes. Le mal s'auto-détruit. Par quelle manière Jésus l'a vaincu? Non pas en venant dans le faste et l'éclat avec une épée et des soldats. Il voulait l'arrêter, Jésus s'est laissé arrêter. Les démons ont attisé la haine des Juifs, Jésus a regardé faire. On voulait le flageller, il s'est laissé flageller. En fait, il a laissé le démon déployer toute sa haine contre lui. Jusqu'à ce qu'il meure. Quand il a dit, avant de mourir, tout est accompli. Là, Satan a fait, oh purée, on s'est fait avoir. C'est retombé. En fait, finalement, dites-moi comment Dieu nous a sauvés. Satan a fait ses jeux. Et il a été brisé à la racine par son propre jeu. Tant que nous écouterons sa voix, qui va nous dire, n'accepte pas de souffrir, tu ne mérites pas ça. Non mais quand même, c'est toi. Toi, la plus belle du service, arrête. Tant que tu vas écouter sa voix, il t'écrasera. Que ce soit un cauchemar, infestation éventuelle, persécution, angoisse, incompréhension, accusation, quel que soit, peu importe, mais qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout ce qui te contrarie te conduit au rendez-vous de l'amour. Que nos souffrances ne nous écrasent plus, que nous n'en ayons plus peur. Retenons que ce sont des rendez-vous d'amour. Jésus dit, j'ai cherché des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Et moi j'ai envie de dire, Jésus, moi, je vais être celui qui te console. Chaque souffrance, chaque douleur, chaque incompréhension ne doit pas me donner de me plaindre égoïstement. Il y a bien plus que moi qui souffre. Il y a des gens qui ont besoin de moi. Il y a un enjeu plus grand que ma pauvre petite personne. Chaque contrariété, chaque souffrance, retient que désormais, ce sont des clins d'œil de Jésus, des appels à un rendez-vous d'amour. Sois au rendez-vous et ne déçois pas son attente. Amen. Est-ce que tout ça vous inspire un petit chant qui collerait avec ce qui a été dit, don de nos personnes, enfin un truc, si vous avez une idée. Ce que je vais vous inviter à faire est très simple. Disposons-nous, détendons-nous, livrons-nous au Dieu vivant, livrons-nous à sa présence et laissons-nous porter par le chant qui va être pris. Rendons-nous présents à sa présence en nous livrant.
Bon Seigneur, et tu es fidèle aussi, ta présence ici se veut agissante. Tu veux te manifester à chacun d'entre nous. Seigneur, que ta présence au milieu de nous nous accorde d'être bénis par tes mains. Seigneur, que tes mains ouvertes par les clous se posent sur nos cœurs et que là s'éclaire pour chacun d'entre nous le mystère de nos douleurs. Seigneur, lorsque nos souffrances, nos contrariétés rencontreront tes plaies, alors nous comprendrons le mystère si grand de ton amour pour nous et ce vers quoi tu nous conduis. Je te confie chacun de mes frères et sœurs ici. Tu connais la vie de chacun, les souffrances de chacun, les difficultés que chacun peut vivre. Mais je te bénis aussi de ce que par le Saint-Esprit, aujourd'hui, tu tournes nos cœurs dans un sens autre, pour que désormais nous te rencontrions dans tout ce que nous pouvons vivre et que tu permets. Merci pour le Saint-Esprit et son onction. Le Seigneur dit ceci, « Mon enfant, merci pour ton cœur que tu m'ouvres. Merci de désirer en ce moment même dans ton cœur tout vivre en moi et par amour pour moi. Ce que je fais, c'est que ton cœur, la blessure de ton cœur, la souffrance de ton cœur, la faille que tu as pu constater en toi comme douleur, je m'en sers là. Je t'annonce que cette souffrance, ce transpercement, cette déchirure en toi, est le passage que j'utilise en ce moment même pour faire couler l'onction d'huile de l'Esprit.
elle descend en toi. Elle continue sa course jusque dans les zones les plus reculées de tes profondeurs. Je te restaure, je fais descendre en toi ma grâce, j'apaise tes douleurs, j'apaise tes souffrances. Je te donne de les vivre désormais comme des lits d'amour. Mon onction vient panser tes plaies. Tu redonnes de la vigueur et de la vie. L'esprit que je fais couler en toi par mon esprit te donne une nouvelle vie, un rayonnement nouveau, un éclat nouveau. Pour que tu chantes mes louanges et que la vie éclate par toi et que ton entourage voit en toi le témoin de ma résurrection, de ma victoire, de ma puissance. N'aie pas peur, n'aie plus peur. Je suis au contrôle. Mon esprit agit en toi désormais. Il imprègne toute ta vie, les zones de ta vie, les endroits dont tu avais peur, ce qui te paraissait ingérable, flou, que tu ne savais pas discerner ni gérer. Mon esprit continue sa course dans ta personne et dans toutes les zones de ton histoire et de ta vie. Seigneur, merci pour ce que tu fais, que ton esprit continue d'agir en nous maintenant, ce soir, cette nuit, les jours et semaines à venir. Rétablis-nous en toi et que ton esprit soit celui qui... Que ton esprit soit notre force pour témoigner de toi, porter du fruit en abondance et t'aimer davantage par le don de nos vies. Que cette Eucharistie, pour ceux qui vont rester, que nous allons recevoir, viennent incarner dans nos cœurs toutes les résolutions prises. Jésus, viens vivre en nous. Que nous disions, ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Couronne-nous de gloire, bénis-nous abondamment, Seigneur, par les mains de Marie, dans la puissance du Saint-Esprit. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, notre secours est dans le nom du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous accordes ton shalom. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et qu'il nous donne sa paix, lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci à tous et désolé d'avoir débordé.